En restauration, ça marche par spécialité. Donc, moi, j'ai choisi les œuvres sur papier. Donc, c'est très vaste. Ça comprend aussi bien les œuvres d'art que les documents d'archives, que les documents plats, c'est-à-dire deux dimensions, que les livres. C'est extrêmement vaste. Donc, c'est fort intéressant. Antérieurement au travail de restauration, il y a tout un travail de recherche, d'analyse sur la technique, sur l'histoire de l'objet. Et tout ce travail-là, en fait, il est aussi très important pour un restaurateur. C'est comme si on rentrait dans l'intimité, on rentre d'autant plus dans l'intimité de l'objet, puis on s'imagine, on voit toute l'histoire, en fait. Ça, c'est fascinant. Alors, en fait, ce document-là est arrivé au centre de conservation en 2011, donc ça fait quelques années. C'est en fait un livre de chants liturgiques qui a été rédigé par un père jésuite qui est le père Aubéry, à peu près au milieu du XVIIIe siècle. C'est un livre qui appartient au musée Abénaquis à Odanak. En fait, ça, on voit ici le document avec le texte à l'intérieur. Il y a à peu près 600 pages et ça se compose de chants liturgiques, donc en langue latine, française et abénaki. Et la langue abénaki, en fait, aujourd'hui n'est plus parlée. Donc c'est un témoignage historique. Il y a eu de nombreuses étapes, puisque le document, en fait, le livre est arrivé en très mauvais état. Le traitement s'est articulé autour de à peu près 10 traitements en tout. Ça a commencé par un dépoussiérage et un décrassage de toutes les pages du document. Ensuite, on a procédé à la séparation de tous les cahiers et retrait de la colle. On a réencollé chaque page. Après ça, on a réparé toutes les zones fragilisées. Donc les fonds de cahier ici sont réparés et on répare avec des papiers japonais et puis de la colle d'amidon de blé. Toutes les pages ont des bords lacunaires. Des fois, c'est des petites zones simplement le long des bords, mais des fois, c'est vraiment des zones importantes. Et ça, c'est très important de combler les lacunes parce qu'on renforce physiquement le papier. Et comme c'est un document qui doit être manipulé, c'est vraiment important de procéder au comblement des lacunes. On comble avec un papier japonais, on travaille beaucoup avec les papiers japonais. Et puis on fait en sorte de trouver un papier qui a à peu près le même grammage que le papier du bloc texte, une couleur qui s'en rapproche. Ici, évidemment, on tient compte de la couleur d'origine du papier, pas de la couleur de la dégradation. Et puis, on travaille sur table lumineuse et on fait un repérage et on comble les zones à combler du papier. Donc, le fait évidemment d'avoir fait cette restauration, on a l'impression d'avoir fait un travail comment dire, qui redonne vie quelque part à l'objet. Puis, c'est sûr que c'est un contact très sensible parce qu'on travaille sur un objet pendant des semaines. Puis, donc, c'est un lien. Je dirais pas intime, mais quasiment en fait avec un objet. Donc, dans ce cas-ci, en plus, il y a une partie. Je dirais que la langue abénaki, évidemment, je la maîtrise pas du tout. Il y a du latin que je ne connais pas non plus. Donc, c'est mystérieux, c'est très mystérieux pour ce qui est du contenu. Mais ça apporte en plus un intérêt évidemment à travailler sur cet objet-là.